de sécurité israélien, essayez, testez, prévoyez, espérez protéger les habitants du sud du pays, en bordure de la bande de Gaza, comme ceux du nord, à la merci du Hezbollah. 2 ans de dur labeur ponctués par un succès retentissant. L'Iron Dome, le Dôme de fer en français, est désormais fonctionnel. Il s'agit d'un système d'interception de missiles de courte portée allant de 6 à 50 km. Et selon l'état-major israélien, il sera opérationnel dès le deuxième trimestre 2010. Comment fonctionne-t-il ? Étape numéro 1, un radar détecte le missile de type Qassam ou Grad. Étape numéro 2, un ordinateur placé du côté israélien détermine si le missile va s'abattre en zone urbaine ou sur un terrain vague. Étape numéro 3, un missile télécommandé est envoyé seulement si le projectile est censé s'écraser dans une zone d'habitation. Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a qualifié de succès historique cette série d'essais de son système antimissile. Seul problème, le champ d'action de ce système, car le Hamas cherche à acquérir par tous les moyens des missiles d'une portée de 70 km, capables d'atteindre le cœur de Tel Aviv. Ce sont précisément ces engins explosifs qui ont été visés et détruits en janvier dernier, au nord du désert du Soudan. Une vingtaine de camions avaient alors été neutralisés. Selon Israël et la société Rafael, un dispositif capable d'intercepter ce type de missile sera opérationnel d'ici 2011. Cela semble une éternité pour les habitants du sud et du nord d'Israël, surtout face aux 3000 missiles du Hamas et 20 000 du Hezbollah.